Quelle est la ville la plus vélo-friendly du monde? Deux villes françaises sont dans le top 10 du classement. Nantes arrive 5e dans ce classement. 13 critères en tout sont pris en compte, comme le nombre de kilomètres de pistes cyclables et la qualité de circulation en ville. Le classement a été fait par le site hollandais copenhagenize.com. Nantes qui pourrait évoluer dans ce classement alors qu'elle accueille début juin VeloCity, la conférence mondiale sur les pratiques du vélo. 1000 pros de tous les pays sont attendus pour réfléchir sur le vélo, créateur de futur, c'est le thème de l'année. La conférence, toujours festive, s'est déjà tenue dans le passé à Vienne et à Copenhague. Nantes qui n'est pourtant pas la ville la plus vélo-friendly de France, selon ce même classement hollandais, elle est classée juste derrière Bordeaux, où ont été livrés des pibales à une centaine de chanceux, ces vélos jaunes dessinés par le designer Philippe Stark. Dans ce classement, Paris n'est que 13e, la capitale a lancé récemment du coup un plan vélo ambitieux de 150 millions d'euros pour tripler le nombre de trajets cyclables d'ici 5 ans. Est-ce que ces aménagements permettront à Paris de devenir, comme elle le souhaite, la capitale mondiale du vélo? Est-ce que ce sera suffisant pour rivaliser avec la ville la plus vélo-friendly, Amsterdam, ainsi que Londres et le projet fou de son maire Boris Johnson? Il rêve de pistes cyclables aériennes. Un architecte britannique a déjà conçu les plans. Reste à trouver les financements. Budget mis à part, il faudra tout de même plus de 20 ans pour mettre sur pied ce réseau.